salut les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener au bord de la rivière, en Haute-Loire, pour se rafraîchir un petit peu, en cette forte chaleur. Voilà les amis. Une fois encore, je me retrouve à côté de la rivière de Lignon du Velay. Je n'ai pas traversé le Lignon. Ce sera pour une autre vidéo que je tiens particulièrement à cœur. C'est des souvenirs de petits garçons en colonie. En 1975, on a fait une sortie en camp. La destination, c'était les Granges, ou la Grange. De la colonie à cette destination, il y avait, il y a toujours, au moins une quinzaine de kilomètres. Et pour un gamin de 8 ans, ça faisait beaucoup. Ouais. Ça m'a donné, je pense que ça m'a donné le goût à l'aventure et à la nature, et notamment à la randonnée. Voilà. Allez, on y va. Cet itinéraire que je ferai quand je serai mieux équipé, notamment avec un chariot de randonnée,
parce que j'ai plus 8 ans, ni 10 ans, ni 11 ans. Parce qu'en fait, c'était une erreur, cette sortie en camp, je l'ai fait à 3 reprises. Peut-être que des colons qui étaient avec moi, dans cette même période, se souviendra peut-être de notre sortie en camp, direction la grange. Mais voilà, je referai cette randonnée du point A au point B que je vous ai évoqué tout à l'heure avec un chariot de randonnée. Et justement, j'ai créé une cagnotte solidaire pour m'aider à financer ce fameux chariot, parce que c'est vrai, je n'ai plus 8 ans, ni 10 ans, ni 11 ans. Et faire 16 km avec 16 ou 17 kg sur le dos, et ben, ça risque d'être extrêmement dur. Bien, je fais plusieurs tentatives de me rappeler exactement où on traverse le Lignon pour arriver justement au camp qui se trouvait aux Granges, qui est juste en face. Et en fait, les moniteurs nous avaient fait traverser, plus exactement, des champs clôturés de bétail, hein, en faisant attention à bien remettre les pinces là, que tendeurs, pour délimiter le périmètre de la clôture.
je passe sur propriété privée, hein, mais je m'assure à ne rien détériorer. Voilà. Comme je viens de le dire, je vais tenter à retrouver le petit barrage. Il me semble qu'il y avait un petit barrage pour traverser à pied de cette berge à l'autre qui est en face. Inspection des pieds, si je n'ai pas chopé des tiques. Des jambes. A priori non. Entre les doigts de pied aussi, vérifiez bien aussi. Avec cette chaleur, j'aurais dû mettre quand même une paire de chaussettes légères, mais il faisait vraiment trop chaud là, il faisait presque 40 degrés. C'était très mal. Et je pense que c'est un orage de chaleur hein, qu'on a sur notre tête. Hein. Quelques gouttes, ça va pas faire de mal. J'en ai vu d'autres. Je vais pas filmer, mais d'autres aventures où j'ai chopé la pluie hein, dans mon sac à dos, de toute façon j'ai un chemin pour le chaud, j'ai ce qu'il faut pour m'abriter. Allez, le pied gauche, a priori, il n'y a rien de. Non.
Non, entre les doigts de pied. Non plus. J'ai une fois l'envie de me tremper les pieds. Allez, j'y vais. Courage. J'en profite pour me laver les pieds. Un jour, je ferai une vidéo de mon contenu dans mon sac à dos quand je pars en randonnée, des boîtes, de matériel. Et il y a une chose primordiale que vous devez avoir, c'est votre trousse de premier secours. Et dans votre trousse de premier secours, il y a toujours une pince à piquer. Toujours. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé de choper des trucs. Mais bon, vaut mieux en avoir dans son pactage et être tranquille au moins. C'est source de maladies. Les tics et niveau maladie, c'est bon, hein, j'ai ce qu'il faut, hein. Je suis gâté.
J'ai trouvé un meilleur coin juste en face de la berge et juste derrière le camp qu'on faisait dans les années 70, 75, 77, 78. Allez, c'est bientôt 20h. Le soleil est encore haut. Ouais. Bon, je vais avoir encore jusqu'à 21h, 21h15, 21h30. C'est pas grave. Et après, je retournerai sur le point de départ où j'ai garé ma voiture. Et il faudra rentrer parce que demain j'ai à faire, demain lundi j'ai beaucoup à faire comme la plupart d'entre nous, hein. Enfin, je profite encore de ces quelques heures là, 2-3 heures de bien-être en pleine nature. Un peu trop près du réchaud. Allez, on va faire des nouilles ce soir. Quelque chose de simple, quelque chose de léger, pas trop lourd à digérer. Et à nouveau des petits soucis. Je vous en dis pas plus. Simplement que je mange léger. Ouais. Et là encore un peu. Voilà. Comme d'habitude, vous me connaissez, hein. J'utilise cette petite pochette pour les déchets. Baisser quand même. Ah, ça fait bien. Dernièrement, j'ai acheté cette chaise chez Decathlon, une quarantaine d'euros. L'autre que j'ai toujours, hein, j'arrivais plus à la monter. Enfin. Alors j'ai opté pour une chaise de camping, assez légère, facile à transporter. Voilà. En bivouac, en toile de tente, le soir, il est un peu plus confortable que l'autre fois. Oui, enfin, vous ne l'avez pas vu, je ne l'ai pas filmé. Oups.
Oula. Je vais laisser refroidir un peu. J'ai le train arrière qui s'enfonce. Est-ce que je suis bien ici? Vous allez dire que je me répète, mais j'aime tellement ça. Être en pleine nature, ne rien penser, écouter le bruit de la rivière. Ça apaise. Je le redis encore une fois, le temps que mon café refroidisse un tout petit peu. Je vais refaire cette randonnée du point A au point B, c'est-à-dire de la colonie des sapins à côté du lac de Devecé, que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, jusqu'à ce point ici derrière moi qu'on appelle la grange. Je demanderai aux propriétaires des maisons qui sont au fond du champ, je pense que c'est les propriétaires, si je peux bivouaquer une nuit ici là derrière, en leur promettant je laisserai l'endroit comme je l'ai trouvé et comme je le fais d'habitude. Même, je leur présenterai la chaîne que j'ai créée avec les différentes vidéos qui sont postées. Et voilà. Mais je le redis, ce ne sera pas avant quelques années. J'envisage de le faire dans 3-4 ans. Ce projet, quand j'aurai justement le chariot de randonnée, le parcours de cette randonnée
bien. Et vous comprendrez, avec le poids de mon équipement, dans 3-4 ans, ce sera dur. Hein. Voilà. C'est un des projets qui me tient particulièrement à cœur. Et d'autres projets que je vous parlerai plus tard. Voilà. Allez, je vais faire juste un brin de vaisselle.
Il y a de cela plusieurs années déjà, je m'étais rendu à l'essentiel, ce qui donne un sens tout particulier à ma vie, le droit de foutre le camp et de retrouver la fiancée qui me déçoit jamais, la liberté de vivre pleinement ma passion et d'être en pleine nature. L'air de la montagne et des chemins et prairies que je traverse lors de mes randonnées a toujours été mon destin depuis ma tendre enfance. Et bien voilà les amis, si cette petite randonnée de fraîcheur vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire. Dans le cas contraire, portez-vous bien, faites attention à vous. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. À bientôt les amis.